Pardon, vous êtes en direct sur la chaîne du ministre Moïse Dida Kwassi. Particulièrement, connaissez-vous monsieur Moïse Dida Kwassi? D'accord. D'accord. Et votre section? Présentez-nous votre section. La JFPI de la région du Tonkoui. Voilà, donc on a affaire aux filles de la JFPI de la région du Tonkoui. Bien. Donc à vous a été confiée la section hôtesse accueil. Voilà, d'accord. Donc dites-nous un peu comment se passe l'organisation. Actuellement, en ce qui concerne l'organisation, il n'y a pas de problème. Tout est vraiment mis en place. Les filles sont très belles, comme vous le constatez. Oui. Depuis plus de deux jours, elles sont à l'œuvre pour pouvoir réussir. Sincèrement, très brave, parce que ce pays, c'est le dynamisme qui compte. Avoir ces filles, elles militent pour leur parti. D'accord. Parce que c'est des cœurs qui sont là. D'accord. Donc ces filles sont militants actives du FPI. Militants actives du FPI. D'accord. Donc le président Laurent Gbagbo, en 2020, s'il revient, et c'est ce que nous tous nous souhaitons, pourra compter sur les filles de la JFPI pour remporter les élections. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc merci Madame Irène et on compte pour vous revoir très prochainement. Mais avant, j'aimerais vous poser une dernière question. Oui, oui. La fédération. Monsieur le ministre, chers fidèles, qui vient d'entrer tout fraîchement de l'exil, la fédération de rempli un tri sur la place.